Dans cette capsule, on va voir l'intégration d'un élément web dans une activité. L'intégration d'une fenêtre web dans l'activité permet d'ajouter des animations, des outils de calcul et autres ressources, rendant les activités encore plus dynamiques. Les simulations de Fête Colorado ou de learningapps.org ainsi que le canevas de Grass Pebble Mat sont particulièrement intéressants et motivants pour les élèves. Le fait d'afficher la page comme élément dans l'activité évite que l'élève quitte l'activité pour se rendre sur une autre page. Dans cet exemple, je vais prendre l'activité de probabilité pour faire d'ajouter des simulations dans l'activité. Je vais éditer le livret dans probabilité et éditer arbre de probabilité. Donc on clique sur ajouter un élément et on clique sur web. D'abord, je vais aller chercher une activité de learningapps.org. Je vais découvrir les applis en mathématiques, en probabilité. Je vais prendre ici petit test sur le vocabulaire de base. Je ne prends pas l'adresse qui est en haut ici, ça ne fonctionnera pas. Je descends un petit peu plus bas et je vais chercher lien hypertexte plein écran. Donc c'est celui ici que je vais prendre. Je vais le copier dans le presse-papier et venir le coller ici. Vous devez attendre que la fenêtre apparaisse avant de cliquer sur OK. On peut modifier la largeur et la hauteur aussi de la fenêtre. Donc ici, je vais mettre un petit peu plus grande quand même. Et je clique sur OK. Je vais prendre ici la boîte et je vais la mettre au-dessus. Je vais commencer mon activité par l'activité de vocabulaire. Et ensuite, je vais ajouter un autre élément web. Cette fois-ci, je vais aller chercher dans les simulations de Fête Colorado. Je vais chercher en mathématiques. Donc ici, on peut ouvrir et copier l'adresse ici. Pour voir la différence, je vais la faire afficher dans une fenêtre qu'on appelle surgissante ou une fenêtre pop-up. Donc, vous allez voir la différence entre les deux. Je fais sauvegarder et fermer. Quand on ouvre l'activité, la première tâche à faire est de faire ici le petit quiz sur les probabilités. Ensuite, ici, on peut mettre des consignes pour une autre activité. Et quand on clique sur la dernière activité, vous voyez que ça s'ouvre dans une autre fenêtre, mais ça ne va pas quand même envoyer sur une autre page. Ça va vraiment ouvrir dans une fenêtre pour faire ici l'activité, la simulation de Fête Colorado. Quand c'est terminé, on fait simplement fermer.